Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la suite des épisodes de Minecraft avec Marie. Donc voilà, là c'est l'épisode où on a quand même réussi la dernière fois à réunir 4 diamants. Et on va essayer d'aller voir le village, de négocier avec eux pour pouvoir les protéger et qu'en contrepartie, on puisse tout simplement s'installer un petit peu avec eux. Parce que on vit un peu comme des ermites dans notre grotte quand même. Voilà, à tout de suite. Hey, salut Marie, bien dormi? Bah écoute, j'ai bien dormi, c'est tout aussi bien de dormir la journée que de dormir la nuit en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Mais bah là par contre, je crois qu'il va bientôt faire nuit pour le coup. Ah, il va bientôt faire nuit. On est décalé. On est totalement décalé, ça va plus du tout. C'était comme dans la vie d'avant quand on passait nos nuits sur l'ordinateur. C'est exactement ça. Exactement. Je vais aller récupérer nos diamants pour les proposer quand même aux villageois. Aux villageois. Et je pense qu'ils ne sont pas les... Je pense que nous pourrions déjà fabriquer des barrières pour les protéger et leur proposer notre aide. Je pense que nous avons du bois dans un des coffres. Ah voilà. Oui, on avait quand même pas mal... Heureusement, on avait fait des réserves. Voilà, on avait fait pas mal de réserves en faisant nos travaux de bûcheron pendant notre absence. Pendant notre absence? Toi, tu travailles quand t'es pas là. Non, en fait, pendant... Écoutez, c'est pas grave. Tout va bien, pendant Marie. Notre périple. Voilà. Alors, ça, je vais mettre ça là. Pour le coup, j'ai masse pioche, mais ça ne va plus me servir pour l'instant. Ah là, il y a des pelles. Bon, c'est des pelles en bois, mais. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Alors, du coup, je suis dans la fabrication. J'ai fait des planches. Par contre, il faut des cure-dents. J'avais oublié, mais on a quand même oublié le fer. Ah, tu te souviens hier soir? Enfin, ah, je sais plus quand. Tu te souviens hier soir quand t'avais bu une chope de bière en trop? Bon, et bah le fer, il est resté tout en bas de la mine. Il est resté tout en bas de la mine. Bon, bah écoute, est-ce que. Bon, j'espère que je vais pas me perdre, mais je vais t'abandonner. D'accord. Pendant un petit moment, le temps que je retrouve le fer. Comme ça, je nous fais des pelles en fer. Je vais me réaventurer dans la mine. De toute façon, on a toujours les Tokiwoki qui marchent, forcément. Bien sûr. Heureusement qu'ils sont là. Mais t'es sûr que ça va aller quand même? Bah écoute, j'espère. Normalement, on a mis assez de torches, donc les monstres n'ont pas pu venir. Normalement, oui. Donc c'était à droite. Alors moi et mon sens de l'orientation, c'était par là. Non, c'était pas par là. Ça commence bien. C'était par là, peut-être. C'était de l'autre côté. On va y arriver. Alors moi, je suis concentrée par mes constructions. Je sais plus. Uh-huh. Je sais qu'il y a des manières pour faire que ce soit plus rapide. Mais je n'ai plus la technique. Ah. Effectivement. C'est plus compliqué alors. Est-ce que c'était par là? Je sais plus. Ah si, c'est là, les escaliers. Les escaliers. Il faut suivre le chemin, le long chemin. Les escaliers. Les escaliers. Eux te guideront vers... les escaliers te guideront vers la lumière. C'est ça. Les escaliers. Non, franchement, c'était une bonne idée, hein, parce que j'aurais jamais retrouvé ça. Bah, moi, j'ai tellement un mauvais sens d'orientation qu'il a fallu que je trouve des moyens mémotechniques de pas me perdre dans la mine. Donc, j'ai trouvé les escaliers qui comme ça me rassurent et me disent « Non, tu n'es pas perdu. » Tu vas réussir à t'en sortir, que des fois on tourne parce qu'il y a des endroits qui montent, des endroits qui descendent, des endroits qui remontent et au final on s'en sort pas. Donc. C'est vrai. Bon, je repars chez les... Ah, il fait nuit. Oula. Ah. C'était pas prévu. Marie, tu veux pas venir te coucher? J'arrive, je remonte, je retrouve mon chemin, j'ai le fer sur moi. Ah ça y est? Il y a des monstres... Ouais. Oh là là, mais quelle efficacité! Mais t'as vu ça? Extraordinaire. Alors juste faut que j'arrive à rentrer. D'accord. Là, normalement, c'était à droite. Non, attends. Là, l'autre droite. L'autre droite, voilà. Là, je remonte les escaliers. C'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. C'est bon. C'est magnifique. On va y arriver. Elle est des nôtres. Elle a retrouvé le chemin comme les autres. Oui, le chemin Bye. Comme Marie, oui je ne te vois pas, Marie. Je suis là. Je te vois. Tu me vois? Moi je te vois pas. Ah si, je te vois de très très loin. T'as une meilleure vue que moi, je pense. Bah je vois un petit truc rose tout en bas. Violet. J'arrive. Non, parce que faut savoir que dans Minecraft, Marie est quand même relativement rose avec des yeux bleus et châtain. Voilà. Ça me correspond parfaitement, n'est-ce pas? Tout à fait. N'est-ce pas? Bon, moi je suis pas blonde, tu vois. Au moins. Moi je suis là. Allez. Remonte, c'est Ah, parti. J'ai une flèche dans les fesses. Regarde. Ah, pas mal. La 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 la. Bonne nuit. Parfait. Et ben bonne nuit, à demain. Des diamants, des diamants. Non mais la flèche, elle va me suivre encore longtemps ou... Perso, je la vois pas, donc t'as dû bugger. Ah bah moi, je la vois bien. Alors, ça c'est bon. Je la sens en fait. Bah pour le coup, oui. Tu dois bien la sentir. Attention, le premier qui m'approche, il prend un coup de pelle dans les dents. Ça rigole pas. Toujours là. Voilà. Boum.
Un coup de pelle. On a du bois pour chauffer. Ah, attends, ah mais il fait peur ce zombie là. Il est tout gris et beige et bizarre. Un zombie gris et beige. Ouais ouais, on se croit dans The Walking Dead là. Oh. Et bah voilà. Je le sens. Ah Marie, je vais pas bien. Attends, j'arrive. Je finis mes pelles. Finis mes pelles et j'arrive avec la trousse de secours. Je suis là, décidément. Marie. Je suis dans le lit. Je me sens pas bien, Marie. Oh mon petit dieu. Médicament, un petit antidouleur, j'ai toujours ma flèche dans les fesses. Aide-moi, Marie. Attends, j'essaie de te la retirer, mais je la vois pas, donc je pense que tu as des visions. Tu es en train de me transpercer avec ton épée là. Pardon, excuse-moi. Attends, c'est pas mieux. Non, mais c'est bon, ouais, c'est bon. Peut-être qu'avec. Voilà, à manger. J'ai piqué les lingots de fer au passage. J'en ai piqué deux. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a pas mal de pelles. Je vais ramasser tout mon bazar avant qu'il disparaisse. Walou walou. Voilà. Parce que le bazar disparaît, bien entendu. Hein. Bien sûr. Bien entendu. Bah, il pourrait y avoir des voleurs, des pillards, des villageois mal intentionnés. Hop, je referme les portes. Même si théoriquement, on n'a pas de serrure, donc ça sert à rien. Et on va recreuser du sable. Alors, moi, je vais partir ici, faire quelque chose de droit. Évidemment, je me suis décalée d'une case, génial. Donc il faut que je me remette un bloc de sable. J'adore. J'ai aucun sens non plus de voilà, de l'harmonie des choses. C'est ça, moi non plus. Oh là là, ça y est. On va faire des trucs tout droit. C'est ça ? C'est mieux. C'est mieux, d'accord. J'ai pris ma pelle aussi. Alors, où est ma pelle ? Ah, elle est là. Ma pelle ne va plus très très bien. J'en ai fait plein d'autres dans les coffres, au cas où. Au cas où, ok. C'est bon à savoir. Oh mon dieu, il y a quand même beaucoup beaucoup de sable dans ce village. Non mais au moins faire des étapes, comme je t'ai dit, pas tout tout plat, mais au moins faire des endroits. Oui. Après moi, ce qui est pratique, c'est que je peux quand même grimper avec mes échelles. Certes. Non, pas mes échelles. Les escaliers. Les fameux. Oui, aussi. Non, aussi. C'est pas aux escaliers que je pensais. Tu pensais... Attends, comment tu peux grimper ? Non, mais... Comment ça s'appelle ? Oh non, mince ! Oh barricade ! J'ai fait tomber de l'eau ! De l'eau ? Mais quelle idiote ! En fait, j'ai creusé jusqu'au au point d'eau des potagers. Ah oui. Et voilà. Alors attends, je vais reboucher. Ah bah c'est donc pas par là, Marie, pas par là. Ça fait une petite cascade, l'idée est sympathique, mais c'était pas ça qu'il fallait faire. Voilà. Ok, l'eau s'en va. Donc c'était pas comme ça. Pas comme ça. Oh là là, ça s'en va tellement vite, les barrières. J'en ai fait quand même pas mal, mais... Je pensais pas que le village était... Coucou. Aussi grand. Coucou. Alors attends, parce que là, regarde la barrière, où est-ce qu'elle est. Est-ce que... Il y a moyen, on va faire à peu pas. Près. Il y a moyen. T'inquiète pas, il y a moyen. On va se rejoindre. Alors, c'est par là, c'est là. S'il y a moyen, alors... Bien sûr, bien sûr. Alors attends, là t'avais fini ça là, donc comme ça. C'est juste qu'il faudra casser les barricades que j'ai fait en plus, puisque j'ai un peu les yeux pas en face des trous en ce moment. C'est ce monde, il nous fait des choses bizarres. On perd la mémoire, on n'arrive pas à voir correctement. Mais il veut... à chaque fois elle veut pas se mettre où je veux. Tu veux pas aller loin avec ça. Elle a toujours un petit temps de décalage, du coup il va falloir que j'aille les récupérer, parce que forcément au bout d'un moment je vais en manquer. Tu vois, voilà, on peut se débrouiller à faire des choses comme ça. C'est juste que maintenant il faut que je m'amuse à tout casser et j'ai pas de hache sur moi. Est-ce que tu aurais une hache sur toi, Marie ? Eh bien non, parce que je pensais qu'on en aurait pas besoin, malheureusement. Et bah en fait, si. Je n'en ai donc pas. J'ai trois pelles, une pioche. Faut pas trop m'en demander, hein. D'accord. Faut pas trop m'en demander. Pourquoi il y a des petits trous là partout ? Des petits trous ? Il y avait une case sur deux qui avait des petits trous. Ah. Parce que j'ai voulu tenter quelque chose. D'accord. Mais ça n'est pas passé. D'accord. 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 Alors. Alors, on va mettre des escaliers ici pour dire que c'est l'entrée du village. Ça, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, ici, je mets un portillon. Très important, le portillon. Très important. Sinon, ils peuvent pas rentrer. Ah, bah là, je l'ai mis un peu trop en avant. Je crois que je vais aller chercher une hache parce que je suis en train de faire des bêtises. Une hache, alors. Une pelle, tout le bazar, parce qu'en fait, voilà, c'est pas si simple. Je ne suis pas maçon.
Hélas. Hélas, je ne suis pas maçon de formation. Il aurait fallu, parce que franchement, là, je ne sais pas pourquoi on s'est embêté à faire des études de graphisme, ça ne nous sert à rien dans ce monde. Ah, mais il n'y a rien du tout. Ça ne nous sert à rien. Peut-être qu'ils veulent des flyers, des villageois pour leur village, pour recruter des gens, parce que la moitié sont morts. Bah là, oui, il était temps qu'on intervienne, parce qu'ils vont vraiment pas bien, les villageois. Je savais même pas qu'ils pouvaient se faire attaquer. Ah, si, alors, si. Je suis en train de creuser, mais je sais pas du tout où. Alors, combien il me reste de barricades? Il m'en reste 64. Tant que je suis ici, autant en refaire, parce qu'on va en manquer. Alors là, on va aller comme ça. Je vais redéposer les lingots. Hop. J'ai piqué tout à l'heure sans faire exprès. Voilà. Alors, normalement, j'ai fait un chemin qui fait tout le tour. Bien. Normalement. C'est ce que j'avais besoin. Hop. Après, est-ce que c'est un beau tour ou pas, telle est la question. C'est pas grave. On s'en contentera. Voilà, je mets tout ce que j'ai besoin, c'est-à-dire hache. Il va falloir aussi mettre de la lumière dans ce village. Parce que forcément, la nuit, s'il n'y a pas de lumière, les bestioles vont pouvoir rentrer malgré nos barricades. Certes. Donc il va falloir tout éclairer. Tout éclairer. Et ça aussi, c'est du travail. Avec des torches par terre Sur les murs, sur les barricades. Sur les murs partout. Des choses qui soient un peu jolies, mais quand même pas mal. Alors, le portillon, où est-il? Barrière, 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 portillon. Ah, c'est une torche qui est venue à la place du portillon. C'est intéressant. Ça marche aussi. Ah bon. De toute façon, je vais mettre des torches à l'entrée pour qu'on reconnaisse le portillon. Ah, ils vont être vraiment contents, chemin. Ces villageois. Hein. Des diamants. Ah bah j'espère, hein. J'espère qu'ils vont être contents, parce que là, franchement, c'est bien tracassé. Ça nous prend du temps. Voilà. Mais je pense que le village va être vraiment sympa. Alors forcément, il va falloir que je reconstruise la maison que j'ai un peu amochée. Légèrement abîmée, voilà. Légèrement. Alors écoute, je vais faire des portillons aussi, parce que du coup, moi, j'ai fini de faire le tour. Comme ça, on pourra y arriver plus vite. Ah, on peut pas sauter par-dessus. Ah, c'est le tour que tu as creusé, là? Oui. Et moi, je fais quoi? Après, je mets les barricades en haut ou en bas? En haut? En bas, moi, j'aurais dit. Bah oui, mais là, les monstres vont passer si on les met en bas. Ah oui, c'est vrai. Bah du coup, oui, tu longes et puis... Oui, bah c'est très bien, comme ça, je longe et puis au moins, ça fait une tranchée où ils vont tomber dedans. On fait des tranchées c'est aussi, ça. C'est pas mal. Ça rigole c'est pas plus. Mal. Ça rigole. Il y a l'idée, franchement. Nous, on se bat avec les monstres, on se fight. On fait des tranchées. Alors. Et on pourra mettre de la lave partout après. Ah oh ouais. Ça j'avoue. Pourrait être carrément sympa. C'est une bonne idée. Ah bah là, c'est sûr que plus personne n'approchera. Hein. Tout monstre qui essaye d'approcher sera instantanément moins, brûlé, carbonisé, éliminé. Alors, comment fais-tu des barricades? Alors, il faut que tu prennes des planches. Des planches. Rangée de planches à droite, rangée de planches à gauche, petit bâtonnet au milieu. D'accord. L'inverse pour les portillons. D'accord, d'accord. Voilà. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Et évidemment, j'ai tout pris, sauf de quoi casser la pierre. Et là, je me retrouve avec de la pierre. C'est toujours comme ça. Et bah, c'est pas grave. Au début, ce sera très biscornu et puis on arrangera au fur et à mesure. Mais oui, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, rangée de planches à gauche, rangée de planches à droite. Tout à fait. Ah, ah, et oui, on est en train de travailler pour vous. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Oui, 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 tout à fait. Ils disent vraiment ça tout le temps? Ah, oui, oui. On se fait juger pendant notre sommeil, c'est ça? Enfin, même pas pendant notre sommeil, on se fait juger tout le temps. Alors. Bah là, ils sont un petit peu étranges quand même. Hein. J'aime pas trop les gens qui jugent, moi. Est-ce qu'elle va y arriver? Vous pensez qu'elle va faire le tour? Je ne sais pas. Alors, elle est mal partie quand même. Oui, ça va être pratique. Peut-être que ce fera moins attaquer. Tu as perdu ton frère, toi aussi. Voilà, je suis bientôt à la fin, là. J'ai hâte. Bientôt à la fin. Oui. En fait, j'ai fait des barricades pour rien, moi. Ah, et c'est bientôt la nuit. Donc, c'est bientôt la nuit. Peut-être que nous finirons avant la nuit. J'ai plus de barricades. Besoin d'aide, besoin d'aide. Help, barricade, barricade. Barricade, barricade. Alors. J'élimine déjà celle que j'avais fait en trop, ça va m'en faire récupérer 2-3. Mais j'ai quand même besoin de toi, je suis. Ah oui! Tout au fond du village. Il reste quasi rien. Mais il faut quand même le faire. Sinon, ça n'aura servi à rien. Ah! Il faut mettre de la lumière aussi avant la nuit, si on peut. Oui, je vais en mettre, je vais en mettre, je vais en mettre. C'est parti. Mission lumière. Parfait. Des C'est bobos parti. Allument la lumière. Extraordinaire. Alors, la lumière soit, sachant que j'ai mis des barricades un peu en trop partout, par ici, par là, donc on va pouvoir récupérer. Ça m'a l'air pas mal tout ça. On va pouvoir récupérer le surplus. Voilà. Je vais en mettre aussi. J'ai... Ah. Là, je commence à plus rien avoir là. C'est compliqué. Ça commence à devenir compliqué. J'en ai quelques-unes. Ah, par contre, il y a des villageois qui sont bloqués dehors. Il faut leur ouvrir la porte. Enfin, il faut leur faire un portillon et leur ouvrir avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Alors. Hop, allez, rentrez. Ah mais oui, mais il y a la tranchée. Ah, on a tellement bien défendu le truc que maintenant vous pouvez même plus rentrer dans votre propre village. Faut leur faire un pont. J'ai fait le pont. Allez. Vite, rentrez. Avant de allez, rentre, toi.
Par là, il veut pas rentrer. Ah bah des fois, il est rentré et l'autre il veut pas. Mais ce serait quand même dommage de périr dans ces conditions. Plus que dommage. Mais monsieur ne souhaite pas rentrer. Il s'en va. C'est ce qu'il est en train de dire. Bah écoute... Il est où Il est là. Regarde, il veut pas. Il boude. Tu viens Ah bah là, il va rentrer. Là, t'as vu comme il a couru? Ouais, mais je crois qu'il sait pas, il veut pas. Hein. C'est le pont. Ah si. Et bah voilà. C'était pas compliqué, un petit coup sur les fesses et c'est reparti. Exactement, voilà. Oh, par contre, toi tu passes pas. Toi tu ne passes pas. Ah, allez, dans le trou. Eh, dans les tranchées. Allez, c'était une salut. Non mais les tranchées c'est une très très bonne idée. Bah, vraiment là. Voilà. Et si on pouvait après mettre de l'eau ou autre chose. Mets le restant de mes lumières. Oui. Voilà. Et j'arrive. Il m'en reste deux. Il m'en reste une. Il m'en reste plus. Voilà. Marie, tu sais compter? Eh, t'as vu ça? Franchement. Bah attends, quand même. Je vais avoir besoin de toi pour refaire une petite construction. Alors par contre, il y a une araignée à l'intérieur. Ah oui, ça on peut malheureusement pas y échapper. Je ne pense pas que ce soit les plus dangereuses. Je préfère être attaquée par des araignées que par des zombies et... Certes. D'autres animaux. Alors, que souhaites-tu faire? Bah là, je suis partie pour faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Uh-huh. Je vais mettre des escaliers et puis voilà, je vais aménager un petit peu. Et puis surtout, il faut que je reconstruise la maison qui est là-bas. Il ne ressemble la pas fameuse maison, d'ailleurs. Tu es détruite. Voilà, parce que là, c'est un peu moyen, effectivement, le paysage. Hop, voilà, écoute, tout moi, devant, je vais aller là, refaire c'est... Oui, ce serait... Oula. Oh, je me fais agresser là, par un squelette. Alors ça, c'est le problème aussi, c'est que comme on n'a pas encore fait de tranchées partout... Ouais, les squelettes peuvent s'approcher. Oui, et quand ils sont un peu trop près... Ils te tirent dessus. C'est ça. Ah, oh, ils me tirent de loin, en plus. Oh, le vilain. Bon, je me suis éloignée. Je vais pas le contrarier. Je ne reste pas à côté de lui. C'est pas la peine. Ne contrarie pas les squelettes. Voilà. Normalement, il n'y a personne chez nous. Il n'y a personne chez nous. Tout va bien. C'est génial. Alors, j'en profite pour faire un petit peu d'agriculture. Parce que maintenant, bah voilà. Quand même, hein. Quand même. Écoute, on les aide. Voilà. À un moment, ils peuvent partager un peu leurs ressources. Justement, on n'avait pas de. J'en avais un petit peu marre de manger de la viande tous les jours. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Ah, bah moi, écoute, je suis pas très fan de la viande. Bah voilà, ça va nous faire du bien un peu de céréales. Alors, malheureusement, nous n'avons plus de charbon pour faire des torches. Embêtant. Donc on n'a plus de lumière. On peut pas avec du bois ou avec autre chose? On peut pas faire des torches avec du bois, il me semble. Enfin si, il faut un bâtonnet, mais il faut un truc sur le bâtonnet. Je réfléchis. Réfléchis. Ouh là là là, je me prends des tonnes de flèches. Je pense que je vais aller de l'autre côté. Là. Il était temps de s'occuper de... De tout ça, moi c'est avec l'agriculture, j'aime beaucoup. Donc là, je me sens revivre depuis que je peux retoucher à tout ça et puis être en plein air. Parce que c'est vrai qu'on était quand même enfermés depuis des semaines dans cette grotte. Dans cette mine. C'est ça. Pour au final avoir trouvé 4 petits diamants. Qui nous ont permis, et puis surtout que le fait qu'il y ait tous ces morts, les villageois ont finalement accepté qu'on puisse rentrer. Tout de même. Alors, je reviens doucement. Alors, est-ce qu'il y a des monstres qui m'ont vu? Pour l'instant, ils ne m'ont pas vu. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Ok, il y en a qui m'ont vu. Il y en a qui m'ont vu. Il y en a beaucoup. Bah, c'est toujours le problème. Vite, Marie, j'arrive. Attends, j'essaye d'aller jusqu'au au village, mais c'est compliqué, là. C'est compliqué. Il y en a un qui me tape de loin, là. Vite, Marie, c'est ici. J'ai ouvert la porte, cours. Il va quand même venir vers moi. Cours. Ok, j'arrive, c'est bon. Ok. Ah, génial. Ok. Bon, ça, c'est bon. Pourquoi toi, t'es là? C'est qui, lui? Ah, oula. On n'a pas encore assez éclairé le village. Ouais, je propose de rentrer au bercail. Je propose de rentrer dans une maison. La première idée, qui se présente. Et de refermer la porte derrière nous. Voilà. Il n'y a pas de porte dans celle-là. Il n'y a pas de porte sur cette maison. Alors attends. Oh, la sorcière me fait du mal. Mais elle me blesse, mais je suis en train de mourir. T'es en train de mourir? T'as été empoisonnée? Oui. Oh non. Oh non. Ne meurs pas maintenant. C'est bon, je survis, je mange des patates. Oh, la porte est réouverte. La porte s'est ouverte quand j'ai mangé des patates. Le creeper revient. Non. Mange des patates pour survivre. Je l'entends ricaner, elle est à ma gauche. J'entends. Ah, ok, bah moi du coup je me suis mis dans une maison qui n'est pas du tout la tienne. Je te vois par la fenêtre. Oui, moi aussi je te vois. Mais je vois le chapeau de la sorcière aussi. On a vraiment pas assez éclairé le village. Non, là on a été un petit peu optimiste. Légèrement. Du coup on a eu le temps de le barricader, mais pas de le sécuriser avec de la lumière. C'est mieux que rien, je pense qu'ils seront déjà contents, mais on pourra les sécuriser après. Enfin non, alors quand il fera jour, ils seront très très contents. Mm-hmm. Mais dès qu'il fait nuit, s'ils se mettent pas à rentrer chez eux, ça risque d'être compliqué. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de se rejoindre? Ouais.
Alors, je vais manger quand même une ou deux patates avant. Voilà, j'ai mangé aussi, donc je vais mieux. Toujours manger, ça te fait sentir... Ça guérit toutes les blessures de manger. Voilà, la nourriture est la réponse à quelques tout. Quelques patates sur moi. Je vais essayer de te rejoindre. J'arrive. Je te rejoins. Ok. Oh mon dieu, attention, tu la creeper. Où es-tu, Paris? Je suis là, je suis derrière toi. Ouh. Mais... Je suis là. Ok, on rentre à la maison. Est-ce que... Oh mon dieu, il y a un Enderman. Il y a un truc avec les yeux violets juste de là. Attention. Alors, les barricades. C'est désormais de l'histoire ancienne. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il faut reconstruire. Oh mon dieu, c'est terrible, on n'y arrive pas. Alors attends, ouais. Pourquoi il y a des escaliers? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'était là. Ah, ah merde, hop, bon. Voilà. Ok, c'est bon, on remet les barricades, on va y arriver. Je referme. Voilà. Ouf. Par contre, ah mais il y a deux Enderman, il y en a deux, il y en a un juste devant le portail. Bon. Moi, je suis pas... C'est le genre de truc que tu peux pas regarder dans les yeux. Jour, ah, le soleil se lève, je crois. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'y croyais plus. Je vais remanger une patate. Il y a un paysan qui est en train de se battre contre un zombie. Un paysan, un villageois. Faut qu'on aille l'aider. Attends, j'en ai déjà deux. Attends, vas-y. Il y en a à l'intérieur, je sais pas comment il a réussi à rentrer. Non, ne mourrez pas, les villageois. Non. Vite, il faut les sauver. C'est bon. C'est bon. Les villageois, faites attention là. Attention, fermez-vous la nuit parce que. Ils laissent rentrer des inconnus, je te jure. Attention. Pas deux fois. Ok. Donc, mission plus d'éclairage. Parce que là. Ah, voilà. Donc, malheureusement, pour faire la mission éclairage, il faudra quand même qu'on retourne dans notre mine bien-aimée. Parce que sinon. Là, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Là, je vois qu'il y a aussi beaucoup de fruits, de légumes et de choses à cultiver. Donc je sais pas si... Oula. Ah, n'explose pas. C'est bon, il a pas explosé. Ah, il nous a donné du charbon. Ah non, de la poudre à canon. Non, c'est... Ouais, la poudre à canon. Ah. Ça ne nous sert à rien. Voilà. Bah, il va falloir quand même retourner dans la mine. C'est ça, je pense qu'on va pas avoir le choix. Il va falloir qu'on rentre à la maison, qu'on retourne à la mine. Qu'on fasse des torches, qu'on éclaire tout ça. Et puis par la suite, avec tout ce qu'on a récupéré, je pense qu'on va pouvoir faire venir des animaux. Oh, du oui, moins, on va pouvoir leur donner un petit peu à manger. Ça va peut-être leur plaire parce qu'il y a tellement de choses ici. Il y a forcément quelque chose qui peut leur plaire. J'ai vu qu'il y avait des lapins. Mm-hmm. Et il y avait nous avons lapins, un ouais. Beau stock de carottes. Donc j'aimerais bien voir si on peut apprivoiser quelques lapins. C'est une très bonne idée. Pardon. C'est doux, non. Les lapins. C'est très doux. Non, c'est non. Très doux. C'est gentil, les lapins. Oui, c'est très gentil. Voilà. Petit. Qui veut la bonne carotte? Qui veut la bonne carotte? C'est pour qui veut la carotte? Bon lapin? C'est pour qui? Non. Ils vont pas t'approcher comme ça. Bah alors, mon lapin. Il y a trop de monstres pour l'instant. Bah, mon petit lapinou, tu es où? Je ne te vois pas, mon lapinou. Je vois plus de lapin, comme de par hasard. Ah bah, génial. Dès que tu parles de lapin, il n'y en a plus. Ah, mais je suis triste. C'est tellement... Ah! Coucou toi! Oui, c'est par ici! Viens manger la bonne carotte! Mmh. Oui! Justement, il me reste une barricade, je vais pas pouvoir t'enfermer. Marie, est-ce qu'il se reste des barricades? Il m'en reste, ouais. Ok, il y a un petit lapin qui est en train de me suivre là. Où est-ce que je l'enferme? Reviens. Oh mon dieu! Il a eu peur. Là, viens, reviens! Il a vu les barricades, je crois qu'il a eu peur. Marie, tu lui as fait peur! Mais moi, j'ai pas de carottes, tu les as toutes prises! Attends, je te donne des carottes. Ah, il pleut. Il y en a plein de lapins là. Merci. Carottes. Les lapins. Coucou. Qui veut la belle carotte? On vous apporte des bonnes carottes. Ah, ils sont contents. Bon, on en fait près quoi de chez nous, hein. Bah, il faut qu'on les ramène près de chez nous et puis ensuite qu'on les enferme. Alors, soit on peut les faire rentrer déjà dans notre maison. Ouais. On leur fait un petit enclos et puis après on leur fera un petit enclos à côté. On peut avoir des lapins de compagnie. Ouais. Petit lapinou. Et il y en a deux. Il faut qu'on leur trouve moi, des noms un. Et tout. Mais... Moi j'en ai deux là. Mais il a pas l'air d'être fan de ma carotte. Il a peut-être déjà mangé. Ah, moi, non, c'est parce que j'ai du blé. Ah, voilà. Moi, j'avais pas plus, la bonne chose. Voilà, là, j'ai la bonne carotte. Attends, j'essaye de voir par où faut aller. Par là. Je te rattrape, j'en ai deux. Moi, j'en ai un. C'est déjà pas mal. Venez, les lapins. Venez. C'est bien par ici. Bien, mon beau. Voilà. Viens voir maman. Encore plus, encore plus, voilà. On est presque à la maison. C'est qui va se faire manger ce soir? Avec des petits navets et des petites pommes de terre. C'est mon petit lapinou. Mais non, il nous en restera pas. Deux. Oui, on les mangera pas, les lapins, ils sont trop mignons. Le reste, on peut manger, mais pas tout de même.
tout de même. Pas le petit lapin. Petit lapin, viens. Allez, venez, venez. Encore, encore, encore. On y est presque. Alors, tu pouvais déposer ici un petit... J'ai une petite barricade, là. Oula. Ok, alors j'ai lâché la carotte, il a fui, mais... Bah, comme un lapin. Ah ouais. Bah, fui comme un lapin. J'ai à peine lâché la carotte. Reviens, c'est bon, allez, la carotte. Mais non, tu ouvres la porte et puis on le met à l'intérieur. On les met à l'intérieur. Oui, 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 mais... C'est pas facile à apprivoiser. J'ai lâché une seconde la carotte, il est parti en détalant. Attends, ils veulent venir vers toi, maintenant. Non, venez, venez. Venez, carotte, venez. Là. Les petits... Ah, oh, ils sont mignons. Bon, on les appelle comment? Eh, honnêtement, je ne sais pas. Alors, sais pas. Flocon d'avoine. Oh, regarde, ils sont devant toi, ils restent. Flocon Allez. D'avoine. Après, je sais pas. Faudra demander à nos troisième œil. Je sens qu'on a beaucoup de troisième œil qui nous regardent. Ça doit être ça. Moi, je dis dans les commentaires, donnez ouais. Deux noms de lapin. Les prénoms des lapins. Un garçon et une fille, parce que, bon, faut quand même qu'on leur trouve des petits prénoms, on va pas les manger, ceux-là. C'est nos lapins. Par contre, faudrait que vous rentriez contre, dans la maison, là. Et voilà, c'est ça. Voilà. Parce que là, il y en a un qui est rentré, les deux autres, ils ont pas compris. Vous contournez la porte. En fait, ils te suivent, toi, du coup, ils arrivent pas. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Un petit lapin. J'arrive avec les deux autres. Ah, ils sont là. Ils sont là, c'est bon. Voilà. Alors, est-ce que t'as de quoi faire un enclos, là, ou pas, avec toi? Parce que, idéalement, faudrait leur faire un petit enclos, là, sur le côté, parce que sinon, ils vont fuir. Oula, regarde comme ils sautent partout, là. Oh là là, c'est sauvage, hein. Quand même un peu comme bête. Dès qu'il n'y a plus la carotte, on sent que... Un enclos de combien sur combien? Bah là, que ça fasse le bout de la pièce, quoi. Et là, faut un portail, c'est ça? J'ai un portail. Un portail. Hop. Ils vont être ils sont où là. Les deux autres? Ils sont là. Non, petit vous petit sortez plus. Et non. À la maison. À la casserole. Oh, comment tu oh l'as... Oh non. Mais tu l'as tapé. Mais non, je l'ai pas tapé. Oh, je te jure, je l'ai pas tapé. Il a sauté. Il a sauté de tout là-haut. Oh, la violence. Elle a tué le lapin, quoi. Ah Marie, il a sauté. La tueuse de lapin, je te jure. Quoi. Je te jure, il a sauté. J'ai pas tapé. Bon bah, c'est bien comme j'avais dit, il y a du civet pour ce soir. Attends, il est où l'autre? Il est là. Viens là, toi. Oh, il saute. Et t'as fait un enclos avec une tête bizarre aussi, hein. C'est pas de ma faute. Tu l'as bloqué dans le coin. Mais c'est pas possible. Allez, allez. Bon bah, on a un lapin en moins, en plus il va faire nuit, on va pas avoir le temps d'aller en chercher un autre. Bon, bah, il n'y a plus que deux lapins. À tous les coups, t'as tué Flocon d'avoine. Je le sens. Je suis quasiment sûre que c'était lui. Quasi sûre. Bah oui, forcément. Ah forcément, ça pouvait pas être un autre. Parce que les autres, ils ont pas de prénom. Ils peuvent pas mourir. Ils sont immortels pour l'instant. Ça. Alors, il faut une hache. Comment on va enlever ce truc? Marie, qui se trouve des lapins. Je l'ai pas tué. Bon, alors, il me faut une hache. Mais pour le coffre! Ah mince, non, c'est pas lui! Ah bah écoute, tu viens de péter le coffre avec un cactus, doucement avec ah non. Doucement derrière, doucement, moi j'ai la carotte, hein. Voilà, voilà, c'est bon. Allez, tu viens maintenant? Voilà! Moi je fais plus rien. Viens mon petit. Oh là là, mais il est vénère. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ce lapin? Attends, mais qu'est-ce qu'il a? Mais il saute beaucoup trop. Hé, regarde! Attends, viens! Il a des gros problèmes. Moi, le mien, il est sage. Il est devant moi et tout. Allez, allez, non, voilà. Non, mais en fait, il a vu comment t'as tué son frère. Il a dit, mais c'est mort. Je vais pas là-bas. Je la suis pas, cette fille. Attends, non, il me troll. Allez. Allez, le lapin, là. Rentre-toi. Il veut pas rentrer. Oh, oui. Allez. Encore. Reviens. Oh, le... Oh, mais je te jure. Oh, le petit con. Mais c'est pas possible. Tu bon, te bah moi je t'enferme avec les lapins, hein. Voilà. Mais je pense que les lapins sautent haut, donc faut... En fait, la barricade qui est derrière, je pense qu'il faut que tu la casses. Celle qui est contre ah ouais le mur. Ouais, casse-la, celle qui est contre le mur, pour tester. Attends, parce que j'ai toujours pas de hache. Passe. Marie avec son cactus. J'ai pas de hache. J'ai et peur là, de il leur fait des trucs trop bizarres, genre il te montre ses fesses et tout. Mais j'ai trop peur de les taper. Mais ils sautent tellement haut. Mais c'est pas des lapins ces trucs là, c'est des kangourous. En fait faut quoi. Mettre des barricades beaucoup plus hautes. Faut bah faire ouais. ça quoi. Ouais c'est ça. On peut pas avec le portail ici. Je sais pas. Il y a un truc qui est pas mal. C'est de faire un bloc au milieu et de mettre une échelle. Ah. C'est pas bête. On va tester comme ça et on va voir s'ils sortent ou pas. Mais purée ils sont virulents hein. Ça se voit que c'était des lapins pire, sauvages hein. Ils veulent pas rester avec nous. Bon, d'un côté, on a un peu tué leur frère, mais... On saute pas sur moi, sinon tu vas mourir.
Ouais, on. J'arrive, je vais prendre une hache. Mais non, mais la hache, c'était pour casser le coffre. Je vais les faire rentrer, moi, le lapin, tu vas voir. Ok, bah rejoins-moi. On les voit même plus, le lapin. Voilà. Il y en a un. Voilà, il y en a un là. Et l'autre, il est dans le trou. L'autre, c'est Houdini, quoi. Voilà, les deux, ils sont dans le trou. Voilà. Bon. Oh, on y est arrivé. On a deux lapins de compagnie. C'est génial. Ils sont déjà sortis. Non. Mais non. C'est pas grave. Écoute, ce seront des lapins de compagnie sauvages. Mais dès qu'on va ouvrir la porte de l'extérieur, ils vont partir. Il a compris, le lapin, que c'était bien. Il a compris, hein. Il a très bien compris. Mais c'est quoi? Je pense que c'est parce que sur le côté, il y a les blocs et tout, là. Oui. Il faut, oui, qu'on, oui, on, il faut qu'on referme ça. Alors, attends. On va y arriver. On va y arriver. Viens ici. Ah, oh, il veut pas. Ah, hein. Oh, il veut pas. Moi, hein. Je te dis, il va plus sortir, le lapin. Je te le dis. Mais il veut pas, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais... Il faut attendre qu'il se réapprivoise, tu vois. Il y a toujours un temps, quand tu lâches la carotte, où il est pas très très content. D'accord. Après, on redonne la carotte. Après, là, il fait ses petites oreilles toutes mignonnes. Et après, il te suit. Mais si tu relâches la carotte, c'est fini. C'est fini. Ne relâche jamais la carotte. Allez, viens. Oh oui. Oh, miracle. Allez, des petits cœurs. Il est où l'autre? Voilà. Voilà, la petite danse. Oh! Il est trop kiki. Ah, il est trop mignon. On a notre lapin. On en a un autre. Oh, on a le troisième. Oh, il est trop mignon. J'avoue qu'il est mignon. C'est quelle touche? C'est quel clic pour lui donner et pas clic le taper droit. Attends. Droit. Attends, clic droit, c'est... Ouais, d'accord. Attends, je lui en ai donné 10 000, là. Oui, mais c'est un bébé. Ah. On peut pas faire je lui en ai donné 13. Quoi? Non, mais donne pas j'ai laissé... les carottes, là. J'ai laissé appuyer sur clic droit, il les a toutes mangées. Ah bah alors oui, bah il avait faim, mais bon. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mais j'ai rien fait, je te jure, je fais rien, j'appuie sur rien. Je te jure, je fais rien, il meurt naturellement. J'arrête, attends, ils sont... Il est où l'autre? Oh, il s'est brûlé. Je pense qu'il se brûle. Il faut enlever les torches. Ils attends, se sont pas brûlés. Toi. Bah oui, parce qu'ils sont dans le trou. Ok. Oh non. Moi, je vois que ça. Hein. Ah, c'était pas moi, là, pour le coup, c'était pas moi. Bon, normalement, voilà, on a deux lapins, donc une maman et son bébé, ou un papa et son bébé, peut être puté là. Bah alors, cette fois, c'est bon, vous pouvez laisser dans les commentaires comment s'appellera le lapin blanc et comment s'appellera le lapin gris. C'est promis, on les voilà. Tue. On a enlevé les torches, on a mis des barricades hautes, nous avons cette fois bien deux lapins de compagnie. Et moi, je m'en éloigne, voilà, je vais dans le lit. Voilà. Donc, et on voilà. Va aller se coucher, et puis demain, on fera de nouvelles aventures. Hey les loulous, et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on s'est bien amusés, je vous avoue, surtout avec les lapins. Je savais pas que les lapins, ça sautait aussi haut. Et on a mis un peu de temps quand même à comprendre que les lapins pouvaient brûler. Mais bon, du coup, on a dû s'y aller pour ce soir. En tout cas, on a bien avancé sur cet épisode. On a réussi à sauver les 2-3 villageois qu'on a pu sauver. Les autres sont partis. Et puis, on verra ce qu'on fait dans le prochain. Mais on a bien avancé. J'espère qu'on va avoir plein d'autres animaux et qu'on découvrira d'autres endroits sur Minecraft. Nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Ciao, ciao! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.